alingi na salanga na kokakateo mabe na kubuya yango na kosala na bomoi nanga ya welimbi sanga C'est quoi la personnalisation? Et pourquoi le Saint-Esprit nous a poussé aujourd'hui d'en parler? Alléluia, alléluia. Définition pour la personnalisation dans le dictionnaire, c'est donner un caractère original, une note personnelle à quelque chose. C'est le fait de donner un caractère original. Soit bien personnaliser le logo, personnaliser le caractère, la nature, l'original. Original. Où ils allaient emprunter. Alléluia, alléluia. Donc, quand on parle d'abord dans la personnalisation, on voit la personnalité. Alléluia, alléluia. La personnalité, ils allaient l'individualité en psychologie. Donc, psychologiquement, on parle de l'individualité. Et le salio, ce qui crée la différence entre toi et les autres. Et le côté, c'est que yo salio. Amen, amen. Individualité et psychologiquement des personnes telles qu'ils se manifestent dans ces comportements. Donc votre individualité na ndenge bazomo na ngona ba comportement na yo na bizale na yo. Comment les gens pourraient constater? Bako constater yo. Alléluia, alléluia. On peut te constater par tes paroles. On peut comprendre pas souvent ce qui est dans le cœur ou dans mon thème ou dans ma pensée na biso et yeba na kata ntolobaka. Amen, amen. Donc, on peut te personnaliser, on peut comprendre ta personnalité à travers ta façon de parler. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Je viens de le dire, ensemble des traits physiques et moraux, donc physique comme moral. Alléluia, alléluia. Ozomounana, par lesquels Moutou a koko se différencier dans ma monsousou. Ok, ah, oh, moi là, ah, on y a un autre kingani, ah. Yo yebi bien terre. Ye vema côté wana mwana na zamabe. So tindi bonga ko sala boye. Ah eloko boye, mwana kingani ye za capable. Donc sa personnalité, on peut la faire confiance parce que domaine wana bazo ye baye, bazo différencier parce que nous ali boye. Nous a rendenge mo côté toki sana kaka. Alors chacun azana personnalité na ye, azana individualité. Azana façon de voir les choses, la façon de comprendre les choses o yaye, o ke ezo monana. Na ba comportement naé o ba ta ko ki ko voir ba ko ki ko mona na lo lengue par sa façon sa manière de faire les choses. Acclamé pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Nous allons nous candier à Matthieu chapitre 12 verset 33 à 37. Batangi na kombo na Yesu Masia. Et ce livre est un livre principal. Matthieu chapitre 12 versets 33 à 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par les fruits. Race des vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Et Soazoloba, dans sa prédication, c'était après avoir passé la conversation avec les pharisiens. Au bazo condamné, balobi et race des vipères. Balobi, azo sala miracle par Bezeboul. Et si ma yaye soukle banabangou alobi, vous commettez un péché impardonnable parce que vous blasphémez contre le Saint-Esprit. C'est quoi tout le monde en premier kit. Ce qu'on touche à personnalisation, aujourd'hui, Christ a ligné à personnaliser. Qu'il s'agit de battre dans le cœur de l'homme. Et ce qu'on voit, ils ont déterminé et l'eau que vous allez. Donc, vous avez témoigné par ta façon de faire les choses. Vous avez témoigné par ta façon de parler.
Alléluia, alléluia. Votre comportement est comme ma biseau, toi, ma personnalité. On peut te personnaliser. Dans la personnalisation, on peut personnaliser quelqu'un par la vie. Quand tu as ce comportement, et tu dis, non, hier, Azamouti Aboye, ou bien Azamouti Aboye. Balobi, par nos paroles, Malobatolobaka, et Koyebana, que tu as dit, tu as dit, alors nos paroles, il faut que tu aies dit, olobaka ngo pona nini ekolo kilayo nini bakoye ba yo na ndenge nini alors faut dans la makasi pona koye ba ke avant de parler il faut beaucoup raisonner pour ba qu'est-ce que maloba wana ekotali sayo alléluia bana nzambe ba homme intelligent ba homme de science ba zolo ba que chaque fois tant montre la mukaka akoko sala au moins 30 conversations tant la mukaka tongo bonjour pe a komi na poko ya lobi bonne nuit. Donc, les bon, quand vous vous réveillez le matin, tu as comme un apôtre quoi. Dans la logique, il y a un homme de science, ils ont calculé que l'homme parvient à faire au moins 30 conversations. Et ces conversations, on peut en faire un livre. Même il y a 60 pages par jour. Toutes tes paroles, on est sur le bas qui premier jour. Cela veut dire que tant qu'on est sur le bas, c'est comme dans les livres, ça reste. Parce que Bissot, na mukili toko makana ba maboko mais par anza menza bazo ko mama loba tango lobimba la moko et tout ka enregistré. Alléluia, alléluia. Alors ce que tango chaque fois au lobaka il faut ba nini ozo loba osaka livre nini et dans une année on peut faire même 200 livres de plusieurs pages. Alléluia, alléluia. Et ces livres wana ba kozo à partir de tes paroles sur so bazo ko mango. Une année plus tard, on peut faire plusieurs livres. Il y a Maloba au lobby. Bako Komango, Bazo Komango. Et si Bazo Tanga Maloba Wana, et qu'est-ce qu'on va trouver? On va te connaître. Amen, amen. Il y a d'autres personnes, quand on le quelque part, au lobby quelque chose, Bagardaki. Tant au lobby, sur le quelque chose, Bagardaki. Après, Bayo Koloba, Aloba Kaboy. 1, 2. Aloba Kaboy. 1, 3. Aloba Kaboy. C'est-à-dire Azaboy. Voyez? Il faut faire attention. On peut te personnaliser. Ce n'est pas ta façon de parler. Yes, alobi, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par les fruits. Alors Jésus-Christ, en parabole. En parabole, il voulait expliquer, il voulait parler sur le cœur de l'homme. Dans le Cambodja, mon thème. Je suis à l'obi, l'obi au moins que vous étiez au Ezamabe, Ezapé dans Bomamabe. Ou bien vous étiez Ezamalam, vous êtes dans Bomamalam. Parce que vous étiez dans Bomanayango. A pousser un peu dans l'obi que. Car on connaît l'arbre par le fruit. C'est-à-dire, vous étiez dans Bomamalam. C'est-à-dire, Jésus-Christ, quand il était venu dans ce monde, à ça qu'il a dit, critiqué. Abikisi muntu moko azaki un aveugle muet possédé yeso abikisi yeso apesi muntu vie un muet aveugle wazaki tout paralysé Jésus-Christ a pesé vie ba ngomba critiquer ba lobi c'est par Beelzeboul mais ce que Jésus-Christ avait fait c'était mauvais ou bien c'était bon c'était quelque chose du bien il avait sauvé quelqu'un mais comment bozaku zo attribution ya nzambe bo pesa ngo satan. C'est ce qui a fait que le péché était impardonnable. Pourquoi? Parce que au moment où ils ont besoin ça là, bah on va le baiser à Satan. C'est-à-dire à ce moment-là, vous ne pas rien zambé, vous payez Satan, vous êtes Satan, vous payez zambé. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Baloba kanzete zamabe, parce que zana bumamabe. Baloba kanzete zamalam, pose zambomalam. Mais bah on va faire le contraire. Yeso sali makambo malam, mbumaya malam, bah on va benge mutumabe. Il y a des fois les gens qui condamnent les autres parce que baza mabe mais soit tali mbuma nini ya mabe bibimi. Est-ce que mbuma bibimi za malam ou bien za mabe? Bakoye ba mabe a parti ya mbuma o eza na kat na yo. C'est pourquoi dans le ba race des vipères, c'est le verset 34. Race des vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchants que vous êtes? Atali banga lobi, il les a personnalisés. Alléluia, alléluia. Il a personnalisé les pharisiens, les scribes, Abi Bazali, race des vipères. En disant race des vipères,
Jésus-Christ n'est pas la première personne. Il y a la race des vipères dans le Nouveau Testament. Et bandaki na Jean-Baptiste. Un jour, quand Azali Kousala baptême, Amouni ba sadiseyen, na ba scribe, na ba pharisien, ba yepo na yepo ba zo baptême, Atali bango lobi, oh, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Abi, au moins que beau se repentir. Ba bengi, race des vipères. Race des vipères, Azali, des prêtres, des grands pasteurs, de maître de la loi de Dieu, le scribe et les pharisiens. C'était les gens qui s'occupaient des lèvres de Dieu. Alléluia, alléluia. Baza batouyo, baza qui n'a charge. Elles se considéraient comme étant des saints, des gens bons. Maintenant, il y a ce qu'on appelle race des vipères. Quand on vous appelle race des vipères, maintenant il faut s'identifier en vipère. C'est quoi le vipère? Alléluia, alléluia. Race des vipères, le vipère d'abord c'est un serpent. D'abord, la façon où le serpent se répand, La fois passée, on avait dit ici que le serpent a changé, à l'ongularande poso. Ce qui n'y a qu'à vendre, à vendre, Bizo azo changé à longue bizo comme papillon a changé na forme okoye ba ele susuté soko ye ba ki na ndenga bizo ngola comme papillon okomona ele ko mo côté zo référé ke zakiye donc changement total. Alléluia, alléluia. Mais à kafi ba on parle de race des vipères. Les vipères au bazo loba na Palestine ezaki ba nyoka moko très venimé, très dangereux même jusqu'à aujourd'hui. Ezakami na ba place, c'est pas ezaki za jusqu'à aujourd'hui. Dans l'océan, dans la plage, dans la île, dans l'océan, il y a des vipères dans le côté palestinien qui est belé. Un jour, l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 28, à partir du verset 3, verset 6, l'apôtre Paul, dans le voyage, dans le bateau, dans le naufrage, et dans le bateau, dans le bateau, tant que comme na ilwana zamba bikisi bango, alors apôtre Paul a kepona kuluka banzete na kati po ba satan mo moto maile zaki makasi. Et tant que Paul azo ki ndikuluka nzete ba vipère bazaki ba nyoka oyo ba bomba maranasa banzete bazo a couleur a banzete et kauka umuna atambo abombe na kati nzete donc bazaka difficile bien que baza venimé baza na venin mortel mais baza difficile à discerner. Alléluia, alléluia. Poye ba ke azali awa, ezali passe poye ba ye. Donc ye ba se camouflak. Ba bomba na kati ya mwa mabanga, ti na kati ya banzete kauka. Et quand Paul était parti, ye a toki banzete, nzokande a toki na vipère. Amen, amen. Et tant wazo kende, po kende kotumba, amemi vipère na ye malembe, sans le savoir. Le vipère était caché dans le bois. Alléluia, alléluia. Et tant il y a même qui reste dans mes mains ma banga, t'as là quelqu'un comme apôtre Paul. Alors quand il banzete, il y avait le vipère na kati. A qui n'ango ti, tant qu'on une place à moto, pour assurer que la moto, vipère a suivi. Tiens, sautant dans verset 6, les gens se sont dit ah mais il va mourir. Le vipère a suivi. Bon quoi apôtre Paul a longuli a boqué na moto, comme il avait la grâce de Dieu. Et c'est là qu'il est l'autre côté. Et on dit les autres que biso va tenir mérier sur Massia à tanyo kasio à posa les l'autre côté. Alléluia, alléluia. On n'est pas dans les nyoka ya mokil. Les nyoka mokil sont mon yango éviter boma ye kimaye azanyoka. Mais bazo ba les serpents venimé ya mayele mabe. Amen, amen. Donc ma prédication ya mabe ezali nyoka. Alléluia, alléluia. Les serpents d'abord ne marchent pas tout droit. Les vipères ne marchent pas tout droit comme ça. À qui à gauche droite. Ogoy va raconter ce qu'il était. Mensonge. Ne dis pas vrai. À sa gauche, droite, ne dis pas la vérité. Et puis, ma bon mamaka, na place moko ou ba se kamouflaka, ou koki koye ba ete. Ce n'est pas facile de discerner. Yes, on ma mou na banane, na ba prédicateur. Jésus-Christ a zo personnalisé des prédicateurs, des hommes de Dieu. Abi baza ba race des vipères.
C'est-à-dire, matin, abango, ils ont mensonge, vérité. Amen, amen. Mélangé. Le danger, c'est quand il y a mensonge et vérité. Il faut qu'ils aient vérité, vérité. Si on mélange le mensonge avec la vérité, c'est la mort. Et comme ignoc. Alléluia. Yanga lobi. Bino, bokoki le mama malam te. Parce que mama malam pour le bango et outa na motema. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais comment que le mama malam pour te mitema na bino. Alléluia, alléluia. Le cœur ezali isika mabenyonso et vandak. Na malam. Dans la Bible, quand on parle du cœur, ezali siège ya ba pensée. Dans la logique, oui, les gens disent qu'ils pensent avec le cerveau, mais dans la Bible, quand on parle du cœur, ils disent ici qu'il y a affection, ici qu'il y a amour, et vendre dans le cœur, d'après la Bible. Alors, sur le thème, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est que mon temps est au loba, mon amour est au loba, et où tu as mon thème. Et mon thème, il faut un trésor. Il y a bien ou bien il y a ma lame, il y a ma baie. Si il y a un trésor à ma baie, Makambo ekomeza makambo ya mabe. Si vous êtes trésor à ma lame, ça makambo ya ma lame. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Dans le livre de Matthieu 23, verset 23, Jésus-Christ Azoloba, naba pharisien. Malheur à vous, hypocrites, race de vipères. Alléluia. Malheur à vous, hypocrites, race des vipères, des hypocrites. Quand on dit les vipères, ils allaient, ils sont hypocrites. Nyoka qui est tout droit. Amen, amen. Quand on dit hypocrite, ça dit mouton qui est gauche droite. Oh alobi yango te, oh asala moussous. Pe alobi yango, ma hypocrite. Motema na yo, ne sika yo zali. Ne trésor, babi. Muntu azwaka na trésor à ma lame, makambu ya ma lame. Azopi makambu amabe na trésor na e ya mabe. Yo makambu mingi olobaka ezaka mabe. Sadi uzala motema mabe. Alléluia, alléluia. Motema mabe yebanaka. Tan ozo tambola. Omoni atali gamoko sa ma quelque part. Moni baninga moninga accident isalami na mutuka moninga. Bazu ozo ba eh mawa mawa. Bien, baleki si bayoka. Vous avez monté manin, yandoki. Directement, yomoko yeba ki naza kandoki. Po baninga basa l'accident, bazo kufa batomiso, bazo ba, hey, mawa mawa, yo lobi, ah, bayoki. Bazaka boys, bayoki. C'est-à-dire, omoni ke, monté manin, monté manin, monté manin, yandoki. Alléluia, alléluia. Il faut contrôler monté manayo. Dans le cœur, yabat nambotama, il y avait que la haine, kouina, makambo ebele mabe, kotonga, kokanisa baninga mabe. Est-ce que tango yo muna kata esengo baninga mosusu, yo kanin? Balanzamba alléluia. Comme notre sœur vient de témoigner. A tout témoigné à lobi. Nzamba sali grâce. Pasteur Charles sali commentaire. Yo sali oni. Bango baka esake po tango ezaka nini yo. Motema nini? Yamabe. Bongisa motema. Zongina ndako baka sa poto ngo yabamuza beza poto. Omuni kote okay. Okay kote amabe. Alléluia, alléluia. Donc motema na yo. Elo baka ni. Yeso abi c'est de l'abondance du cœur que le que la bouche parle. On va te connaître par tes dires. On doit te distinguer. Tu seras qualifié par rapport à tes dires. Ah, ah, Zoua. On dirait, et ça n'est pas ça. Oh, Muninga, Bali, c'est payé là. Yo, c'est payé là. Yo, Gata, Muninga, Libala, Muninga, Moutazo, Bani. Ah, ma balle, Biloka, Moukile, Otika. Ma balle, Moussou, Bala, Anga, Boy, Ok, Kona, Boy, Bala, on peut s'imiter. Ah, Eroyo, Ero, fait. Alléluia, alléluia. Attends, ça, bon, on peut la battre, Moussous. Bon, Ero, moi, a fait, ma tu vas se payer là. Yo, qui m'a dit, ma lobby, yo, ma n'y a pas comme un prophète à malheur. Comme un prophète à malheur. Alléluia.
Il y a une chose que je disais ici. Jésus-Christ attend Azoloba na ba pharisiens na na mukanda ya nani ya Matthieu 23 verset 33 à l'obé bango race des vipères hypocrites. Awa Jésus-Christ n'a pas peur. Il y a kolobé la ba faux pasteur. Même par ba faux pasteur, ba faux prédicateur, ba ça la vexé. Tant que quand on prêche la vérité, tant que tout est ma vérité, ça va on passe. Mais on ne peut pas les laisser au nom de l'amour. Ce n'est pas au nom de l'amour. Parce que mon inga pasteur, il ressent les passes. Na sala boité, parce que mon inga ressent les passes. Non. Quand on aime Dieu, on ne doit pas avoir la crainte des hommes. Alléluia, alléluia. Yes, alléluia, bango en face. Bino bozali race ya banyoka. Alléluia, alléluia. Donc tu peux dire clairement, tu peux dire ça. Ça c'est vrai. Mettre le bango sans kobanga. Au moins, tant que tu es malo banzambe, tu es évité que le mangamusu pona ke sur le lobby. Au moins, ce que va passer, le bisou va passer. Le coup la bisou sera maramouane sur le biango. Non. À ce moment-là, au comme serviteur et à Satan, au comme peignoka. Alléluia. Acclamé pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Na muto abotami na dana Eve. Oh, na na bongoli moté maté. Na kat na ya ke mécenceté. Il y a que colère, haine. Si on a 4 ans, il y a kala avant on s'en là, on coûte à biloko wana. Mais si on a s'en là, on s'en taka ba haine, ba colère pour na batou. Voilà ce moment-là, on a nos bons les motés maté. Alléluia, alléluia. Bible zo na mukanda Romains chapitre 3, na verset 9. Azo ba ke batou nyonso ba sali masoum. Ils ont la ba grec batou nyonso. Il n'y a même pas un seul. Aucun fasse du bien, pas même un seul. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. D'après la Bible, Moutou Nyons, moi la Nyons, Abotem Nadan Eve, Azam Moutou Mabe, Motem Anaïza Mabe, Motem Alamo, Babotem Aranangote, Motem Alam, ça vient d'en haut. C'est quelque chose que Dieu lui-même pourrait nous donner. Si vous avez peur sur mon thème, malam, mon thème, salut, le cas où il n'y a pas d'un yo, il y a nature, na yo, donc on personnalise, yo, c'est quoi. Maintenant, on peut te connaître facilement. Alléluia. Amen, 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 amen. Balobi, le principe qui nous montre comment savoir, comment personnaliser quelqu'un, c'est facile. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme mauvais, l'homme méchant, tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est facile de le savoir. Le principe en est que quand tu vois quelqu'un parler, ça vient de son cœur. Alléluia, alléluia. Ça vient de son intérieur. Et si on a quelqu'un tenté de dire des choses, il n'y a pas que c'est pourquoi Jacques Aloba qui Batonyo se basa ka masum. Mais muntu abati la kambanga aza parfait. Ngelo bani. Ba méchant tant muntu ko musambela, il faut à contrôler ngelo bani. Et sur ngelo ba, yé sa lobi tourner ta bouche cette fois avant de dire quelque chose. Quand vous tournez votre bouche, vous allez comprendre que non, et le ngelo ba est contre la volonté de Dieu. Et maintenant tu vas dire ce qui est réel. Parce que muntu oyo azamabe azali koloba barbe sozo loba azo yeba na mbala moko. Alléluia, alléluia. Jacques alobi ce qui muntu alobi ke asambelaka ce qui ayebi kobate la mbanga na ete muntu na ayebi nzambete. Alléluia. C'est Jacques chapitre 1 verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride mais trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Muto sambelaka a komi capable ya kobate la mbanga avant aloba, alobi ya ngi aloba nini. Aloba ka biloba lobate. Sur le bible ko méchant, c'est-à-dire neza na kati. Muto sambelaka avant aloba a raisonaka. Oyo eza méchant, c'est aloba ote. Oyo OK, nalobi yango. Oyo, écoute Kimia. Oyo, écoute Panza, na lobate. Oyo, c'est ça un homme intelligent, un homme qui connaît Dieu. Alléluia, alléluia. C'est quelqu'un qui sait se contrôler.
quelque part à chaque fois le balobi monoko nanyako kolonga monoko nae nanyako longa c'est dur ces paroles parce que tu seras identifié. Sache que mon frère nabakache au vandaka, comment toi tu es identifié? Mon frère Denin, Nazaki n'a fait mon coup dans la carte. Oh, oui, mon roi, ah, t'es, moi, je suis athée. Moi, je suis habitué à avoir mis balle au fan de la kit. Son kit est à te faire un assez. Yé, maloba, ah, tika. Olobaki. Alléluia, alléluia. Il faut y avoir nini olobaki. Namuno kon abiso. Bakoye babiso très facilement. Maloba nyons ya haine. Et la question que vous avez haine. Si vous avez haine, ça prouve que tu viens du diable. Alléluia, alléluia. Maloba nyons ya zoua. Zoua ya mabe ya kouloula biloko abatou. Et la question que vous avez mouta motema mabe. Alléluia, alléluia. Ça dit, tokoye ba kede kat na yo ezaki mawa. Polo bien. Contrôle-toi, tu dis quoi souvent, Bakani? La personnalisation. Oh, oyebi kingani, azana ah wana muntu abitonga tonga, oyebi pourquoi otonga ki, batu bayoka ki, et bimi ba peso combo, ba si ba personnaliser yo. Aye, azana muntu bakanda makasi, batu so ba sidika, ya okande ke dasang. Amen, amen. Tout le monde se fâche. Mais je suis aussi liki, je suis aussi liki, je suis aussi liki, je suis aussi liki. Amen, amen. Au sein de l'autre côté. Il y avait un frère comme ça, avec la lumière, on priait avec lui. A tombo qui pourrait être à ma sinaï. Tu es un pasteur. Azona pasteur. Pas pasteur. Je suis aussi liki, je suis aussi liki, je suis aussi liki. Je suis aussi liki, c'est fini. Oh, je suis aussi liki. Je suis aussi liki. Amen, amen. Yosana kande le kinzam. Alléluia, alléluia. Grâce aux na kande à makasi, na peso conseil. Moko moko te msa cortège à moko nzela. Obinazala kanda na temi nzela, o kotelem. So moni mi bay lokolo yo kotelem. Kanda isa so moni ka osana ko sa ba faible. Kanda. Alléluia, alléluia. Moutou nyon so oyo azoko wako se ressaisir te, ko se contenir te, akoki ko ressir te. Pwana ko longa moukili, milonga nanu yomoko, amen, amen. Yozana pousa o longa bat, ou besa tu conseil, bat obongo la mitem, yomoko nanu ko kite, ouza incapable, avant oke ne pa bat, yoko kanan, alléluia, alléluia. Yosoko koki, mena tiya la capacité di aux autres. Alléluia, alléluia. Yangoye salobi, n'allez pas enlever ba poussière na miso batu. Lumbula eteni anzete na misu na yo. Donc ceux qui ont mon connait nous quitter, yo na nous façon olobaka izanu ya motema mabe. Ozanu olobaka mabe, c'est ça le problème. Il faut contrôler ses dires. Alléluia, alléluia. La personnalisation, comment tu peux te personnaliser? Tu te regardes souvent, moi je souvent dis aux gens de se contrôler, de se faire un examen de conscience, comme apôtre Paul disait, regarde-toi. Il faut se juger. Alléluia, alléluia. Il faut s'examiner pour savoir si on est vraiment dans la foi. Est-ce que je suis dans la foi ou bien je ne suis pas dans la foi? Par rapport à ma façon de voir les choses, ma façon de comprendre, ma façon de parler. Et ça, mon terme m'a bêté. Alléluia. Quand on parle de l'abondance, et c'est que nous avons un magasin, un trésor, et un dépôt, au Batiak Abozui. Les gens qui écoutent la parole de Dieu, les gens qui ont le temps de méditer la parole de Dieu, bazo tourne la parole de Dieu, bazo comme plus la parole de Dieu, et raisonnement na bango, bazo qui ne copuiser na katcha parole. Mais les gens qui sont dans le monde, bazo kaka maloba pamba ya mokili, maloba ya coutume, baba na ko sala avant sala quelque chose, il se réfère à la coutume. Pourquoi? C'est ce qu'il est. C'est comme ça avec lui.
Mais les gens qui suivent la parole, qui ont le temps de méditer, il faut avoir le temps de méditer sur la parole de Dieu. Avoir le temps aussi de comprendre, mon frère. Bible les a ratés que oui, mais autant raté. Il y a des Bibles audio. Tu peux me demander dans ton téléphone. On peut te mettre la Bible audio. Un jour, tu te mets aussi quelque part en train de suivre. Parce que matin à la télévision, Mingueza mal prêché. Vous suivez la prédication de quelqu'un qui se prêche, qui prêche pour son intérêt. Race des vipères, azo prêché tantôt. Ils sont dans la basse qui est pharisien. Alors, il y a un mot dans Matthieu, chapitre 23, le verset 14-15. Vous courez la mer pour chercher les prosélytes, les fidèles. Et quand vous les amenez au commissaire Bango, en enfer, et vous les empêchez d'aller au ciel. Alléluia, alléluia. Donc, Bango, Bazali, Kokende, Kuluka, Batou partout, pour qu'il y ait enfer. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Il y a une chose que vous devez savoir, mon frère. Si les vipères, obi vipère ndenge salaka, vipère et kendaka, soit l'inga abota na bazamba, a okende quelque part, a boka make belé. A boki make belé. Ce qui make yone pasuki, tout moi nyoka, tout moi petit vipère, et bi makambala moko panzali, tcha, et tamboul. Et ça, danger permanent. Et côté la kati a moukil. Donc, et ça, quand on a dit, il y a un pharisien, un vipère, donc un chaka maki. C'est-à-dire, il y a un peu dans le monde pour faire l'évangélisation. Et tant que tu es teibat, comme ici, tu es un souci, tu es un peu plus. C'est-à-dire, ma te et ma be, et ça, venez à Nyoka. Balanzam, alléluia. Ce qui batte yo maloba na nzambe mabe o chaka muntu place ya nzambe na conception na yo na matero batte yo o muna ka muntu nzambe. Donc cette façon de voir les choses osa déjà na venin ya vipère esa venin mortel. Alléluia, alléluia. Yango lobi bokenda ka partout pona koloka prosélite pona koloka muntu ya côté botei muntu wana e bo empêcher akota na lola e beaucoup c'est d'enfer. Il y a beaucoup de gens qui viennent en faire mon kolasuka. Ils ont regretté. Ils ont dit, ils ont ma terre, ma bé. Ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils dans la famille, moi, ils ont dit, respect. Ils ont dit, même sa façon de voir les choses est changée. Alléluia, alléluia. Mais à Kendaki prière. Où est prière, il y a Kendaki. C'est-à-dire, race des vipères. Azu venin mortel, bateau banda qu'on prêchait, bande des gens prêchaient leurs intérêts, bazo prêchaient bani, ce qu'on appelle quoi, leur tradition. Alléluia, maboko makas pour le courant pour les sommations. Matangi Job chapitre 32, verset 18 à 20. Tous ceux mona comment tango na katia motema na yo ezana makambo ebele ya koloba ezo tindika o loba mais foye bongo loba nini. Job chapitre 32 verset 18 à 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au dedans de moi, mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont s'éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Eli a été l'ami de Job. Azoloba que na katinae. Azaki na makambo ibela koloba. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse comme un vin qui n'a pas d'issue. Comme des outres neuves qui vont s'éclater. Alléluia, alléluia. Donc tant au moutou. Azana kati ayoki maloba malam et ko pousse ya maloba malam azana posa lo bambulam metango ozana makambo mabe na kati na yo pe et ko tindi kayo oloba makambo ya mabe. C'est à dire tozo mona awa que cet homme alobi il faut afungula mono kwa loba. Oui, il faut parler, mais il faut parler de quoi? Qu'est-ce qu'il va parler? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que ma mwana koloba et ko personnaliser yo et qu'identifier yo
tokoyeba eloko ozali apatia maloba wana. Est-ce que ce que tu vas dire, ça va provenir de Dieu ou bien de Satan? Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, même comme quand il y a Jacques chapitre 1 verset 26 lobi, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, l'argent de cet homme est vain. Que pour les gens qui prient, amen, amen. Il se trompe. Ne vous y trompez pas. Alléluia, alléluia. Ne vous y trompez pas. Babiso kimutu. Azo sambel. Mais ayebi ko bate la mbangate. Amen, amen. Ko sambel na eza na tinate. Si tu pries vraiment, yeba dini olobaka. Si tu parles mal, on va te personnaliser d'un méchant. Si tu parles bien, on va te personnaliser d'un bon type. Parce que c'est l'abondance du cœur. C'est comme Elim. Elim a trouvé qu'il avait quelque chose à dire. Et c'est bête à la carte à. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si tu es mauvais, tu finiras par montrer cela, Libanda. Et si tu es bon, on finira par le savoir que tu es bon. Par rapport à ce qu'il te dit. Autre livre en ligne. Autre livre en ligne derrière toi. Quel est le livre aux otiques? Parce que tout ce que tu dis là, c'est dans le livre. Et la Bible dit, Bakotunayo, on va t'examiner, on va te juger sur tes dires. Bakosambisayo, pour tout ce que tu avais dit. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ma beaucoup pour le commandant collé sur ma sœur. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. C'est tes pensées-là qui veulent prouver ce que tu es. Alléluia. Amen, amen. C'est tes pensées-là. Ça prouve ce que tu es. Ta façon de voir les choses. Ta façon de raisonner. L'homme est comme le pensée de son âme. Tes dires proviennent de ton intérieur. Ce que tu dis prouve ce que tu es. Ne vous y trompez pas. Ceux qui n'ont pas eu de la mon côté, ne croyez pas que tu es un bon chrétien. Pour être un bon chrétien, il faut apprendre à gérer sa bouche. La Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est quelqu'un qui fait cela, qui ne sait pas garder sa langue. Il se trompe. Il se croit être chrétien, mais il ne l'est pas. Au moins qu'il change. Amen, amen. Regarde-toi. Est-ce que tu es un homme bon? Tu peux te personnaliser toi-même. Il y a des gens, quand on prêche comme ça, ils commencent à personnaliser les autres. Ah, passe à tes frères. Hein? C'est comme Kingani. Hein? Oh, non, à ce moment-là, c'était intime que Ouya. Regarde toi-même. Il y a un coin. Il y a quelque part que tu te crois faillible. C'est quoi? Regarde-toi bien. Juste toi-même, examine-toi toi-même pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Quel est ce mauvais côté? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi toi, à ce côté-là, tu as toujours été comme ça? Hier, tu étais vraiment tourmenté toute la nuit, c'était pourquoi? Est-ce que si tu regardes vraiment l'origine de tes tourments, est-ce que l'origine on a Ezali? Est-ce que Ezali, il y a un Zambé ou bien un Satan? Olalipongite butuma obimba. Bosona kina muninga ngambo eseleki. Mwana nzambe na butu fo alimbisa. Alo banzambe nalala na bosana. Yo lali ya sakai na ngaye fo amona. Ye vraiment
ye fonzambe na ngazambe yo muta boye il faut le bina tongana abeti muta tam mutuna libanga toki sanguke ayoki nzamba kosala akoto sa prière na yote alléluia wana prière motema mabe un homme bon quand il prie pour demander pardon pour pardonner à ses ennemis amen amen nzambe limbisa ye et quand il le dit avec un bon cœur à chaque fois nazaka ce n'est tout ça mais là pendant qu'on s'est abolé ici alors par amis que malam on a ligné na ça na kokate c'est cela là où les gens ne parviennent pas c'est de demander pardon à Dieu pour l'ennemi prier bien pour son ennemi ce n'est pas facile des fois les gens le font avec leur bouche regarde toi tu es orgueilleux vous en avez pensé il y a le lendo enorgueillé, il y a des gens orgueillés qui ne disent rien. L'air orgueillé dans son cœur. Comment il peut être là avec vous? Vous dites des choses, il se moque de vous dans son cœur. Il le rejette tout. Wana osa race de vipère, osa montoyo, bazo prêcher vérité, yo lebi ke ezana mulimu ya Bezebul. À ce moment-là, quand nous prêchons la vérité, quand on te voit que c'est l'esprit des démons qui fait, à ce moment-là, ce n'est pas bon. Tu deviens une race de vipère. Alléluia. Maboko makaspan lokumana kolesu masia. C'était la prédication d'aujourd'hui, la personnalisation. On a personnalisé les races des vipères et les enfants de Dieu. Les races des vipères, ce sont des gens qui ne disent pas vrai, des hypocrites, des menteurs, des méchants, qui prêchent pour leurs intérêts, qui ne prêchent pas pour l'intérêt de Dieu. Babi, leur prédication est allée venée, mortelle. Si tu as été déjà mal prêché, c'est très dangereux, c'est la mort spirituelle. Vous avez la parole. Merci pasteur pour la parole. Amen. Pasteur, mutuna nangeza kaka opesanga différence ya Matthieu 10 16. Ezolo ba ke soyez prudent comme un serpent. Nandengolobi ke na Matthieu 23 33 que race de vipeur. O différence ngango Jésus a utilisé na Jean 10 16 a utilisé comme un serpent onani. Deuxième question pasteur Nangina tuna kaka popo ki de tolanda na ba TV ba benga biso boya romena mai ya bishima. Si vous avez un problème à l'ibala, vous avez un problème à moussala, est-ce que ma ipe koki ko biksa moutou pe ko pesa libala pe ko maïsa moutou gradi? Merci pasteur pour la parole. Notre mère a posé la question de savoir si les serpents. Alors, la Jésus-Christ a dit à Bissot, soyez prudents comme le serpent. Prudents comme le serpent, on demande la prudence. La prudence, il y a serpent. Serpent hasard, là on est dans le serpent normal. Nyoka. Tango atambolaka azana ba défense mingité et tango amoni danger ayebaka ba danger ma casse de loin sous ma quelle élément il faut ayeba parce que azana facile pour se défendre té il faut azana facile koyoka pe ko tala par gauche droite donc azuluka danger ça va yesa lobi azu exemple nyoka les serpents normal abizola prudent le col à serpent. Par exemple, la colombe, n'est pas normal. Où il sera très calme. Abi, zala simple, le colombe. On nous demande la prudence. D'abord, soit au Kenano, comme un serpent. Il faut comprendre bien que quand on parle de serpent, il y a les, ici on parle des races des vipères. Vipères, oyo, ils allient différents. Bah, serpent, ils ont marqué belé. Oyo, serpent, oyo, baso bape awa. Il y a aussi une différence. Sauf que il y a des boas, des serpents. Il y a soakate, il y a melakak. Au moins une boa azar qui c'est na vipère. Vipère azar plus dangereux. Boa azar monnaie mais azar dangereux que la vipère. Pour vipère encore moi plus de personnes na tamouke que boa. Pour pas comme on aille, mutaro mounen a beaucoup plus allongé. D'abord le serpent. Pour la histoire à serpent, faut comprendre d'abord que quand Moïse avait raconté Dieu, à côté d'un ensemble. Zamba a dit à Moïse que je vais partir avec toi.
avant de lui dire ça, Abinaye, zoa kana uchanase, tango ache kana nase, kana ekoma ki serpent. Alobi sima ona na mukila, tango sima ona mukila, ezongi kana. Alobi, je serai avec toi. Dieu était dans la canne. D'après explication wana. Et Moïse marcha avec sa canne. Etant Moïse a commis nanda kwa Pharaon, a bandi debana Pharaon. Pharaon azumuna Moïse muto apamba, et puis c'est marambwana, il ne croyait pas. Alors Moïse kopo la que je suis avec Dieu, il a déposé la canne nase. Dingi amuna ki na expérience na basaki na Nzambe. Directement canne est comme un serpent. Qui est le premier serpent? C'est Satan ou bien Nzambe? C'est Dieu lui-même qui est le serpent. Et Cain est comme un serpent. Et directement, tant Cain est comme un serpent, un pharaon avait fait l'appel à ses féticheurs. Les magiciens de pharaon, tant qu'on a commis, ils ont fait un bitika. Ils ont fait un bitika. Et comme une serpent, quatre serpents et bimi. Tant quatre serpents et bimi, Moïse a comme un bitika. Ils ont fait un serpent. Satan, serpent, Dieu comment? Serpent. Le malamoko, le serpent de Moïse, alandi ba serpent, amele ngonyoso, wou. Malamoko Moïse a simbi, a simbi na mokila, a zongi kan. Qui est le grand serpent? Dieu. Alléluia, alléluia. Le grand monstre des monstres, c'est Dieu lui-même. Souka monstre. Waza aleki leviathan, oya kela leviathan wana. Donc le grand des monstres, c'est Dieu lui-même. Le premier serpent. Alors, Satan a un serpent. Alléluia, alléluia. Mais il n'est pas serpent comme Dieu. Alors ne croyez pas quand on parle de serpent directement, qu'on parle seulement du diable. Mais il faut voir d'abord dans quel contexte. Jésus-Christ avait parlé de ces serpents venimeux autour de lui. Et dans quel contexte? Aloba qui n'a pas eu le bosso. Abi, soyez prudents comme le serpent. Simple comme la colombe. Parce que, bozo qui n'a pas eu le diamant. Ah, bango bozo qui n'a danger. Bazo quoi le serpent? On a besoin de serpent à Bonzambé. Mais ce que, awa, abengi bawana ba serpent. C'est-à-dire, bazo ba serpent à Satan. Il y a un problème. Pour n'a qu'on discerne, il y a bazo ba awa. Makambo ya malamu na mabe ezabi tumba. Obi, quand quelqu'un cherche à connaître la vérité, à côté na ba religion, a tia lubo kuna se a banzete pour azwa moi bâton ya vérité, malamoko ako kende kome ma serpent. A memi vipère. Vipère, azali nyoka woyo ye a kamoufla, a se kamouflak. Ye moussa na ye a ki makate. Ye a kota kakara lali place ba tobako ya. O memi a même okena na o tchena ma peka. Voilà même apôtre Paul s'est retrouvé a memi vipère a tambou na ye. Mais le serpent ou balobi a za souple boy ou même a ye. De loin a sa mouni a kimi. Mais le vipère lui a la la kana place moko banzete banzete ou kaukezali. Avant di wana. Quand il vient a boujete. Ou tu me tala même ba memi ye ba kena ye. Le kon anzete. Et a komi pe mende a ye ko soa. Alors, vipère, c'est très dangereux parce que Azali pour se mixer. Et de deux aussi, Azali mortel, Azali a venu mortel. Les boas, je peux les voir de loin fuir. Mais vipère, n'a quoi été na vandissier, n'a zélé en côté na pantalon en soangaï. C'est ça le danger. Alléluia. Il y a une deuxième question de notre frère, Maya Bishim. Ha! Mon frère, ma soeur, il faut le voir à haute voix. Il n'y a que Jésus qui sauve. Maï mon côté sauvaka. On vit mal ibum. T'as quoi qui m'a dit mela mela? Na bilia lia. Biso tolia ka yes. Tomela ramakila ya yes. Ce sont des choses spirituelles qu'on ne peut pas voir. Amen amen. Biso tolia ka musuni bo en église te. Musuni a yes. Bamu na kamu bazo lia te. Le sang de Jésus Christ. Ils ont café thé, ils ont vin thé. Le sang de Jésus, ce sont des choses spirituelles. C'est le fait d'aller vers Jésus et croire en lui. Les manger, c'est-à-dire accumuler la parole. Les bons trésors. Vous cherchez quoi valait Jésus-Christ, la parole de Dieu chaque jour, c'est ça manger Jésus-Christ.
et comme plein la carte nayo, l'union réagir Jésus, l'union au cours sera Jésus, l'union kaba Jésus, l'union c'est le Jésus. Au moment que yo omeli Yesu mingi, omeli makile na yemingi, au comme ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Comme la maï tel que nous la maï moussous boye, au vimi liboum. Batra même pour la miss. Alléluia, alléluia. Voilà bon gangate. Alléluia. Des questions. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, tu as trois questions. Tu as une Bible balobi. Garde ton cœur plus que tout. Y a un autre tonté, pasteur. Pourquoi la Bible est à quoi il s'habille bongo? De garder notre cœur plus que tout. Et pourtant, tout ça peine à Borgane, mon sousou. Pourquoi seulement le cœur? Deuxième question, Isali. Pasteur, tu as une Bible. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais pasteur, est-ce que moi na moi si oyo ou bien moi na oyo ou bien membre mon gars famille de konaye ou bien moi si nemo bali naye alobela kaye maloba ya ma tout moment je ponaye est-ce que nga par na ko sambe la pepo naye nzamba exaucé a changé mutuana. Dernière question Zali pasteur, comment pouvons-nous stocker de bonnes choses dans nos cœurs? N'ingote ibisolubi que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Maintenant, comment truco bon babilora malam mon amité manabiso? Merci beaucoup. On avait dit ici que quand on parle du cœur dans la Bible, c'est comme si on parlait de la pensée. C'est le cœur et les sièges. Il y a ma pensée, il y a ma émotion. Quand vous pensez, il faut garder ma pensée na yo et dans la suyété. Alléluia, alléluia. Donc, qu'on permette à kate ma pensée na yo et ça la kanandenga ma bé et raisonner ndenga ma bé. Mais il faut guidango pour étambola d'après la parole de Dieu. C'est pourquoi le cœur est utile pour Dieu parce qu'il a ici ka ou ba affection ou là on peut aimer Dieu avec le cœur. Donne-moi ton cœur. Alors le cœur, il a plus que tout. Il s'habille, émergé de tout ton cœur. C'est-à-dire mon âme, mon thème, ils aillent comme tu as ma casse. La deuxième question, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Est-ce que si j'ai un frère, une sœur qui se comporte mal, je pourrais aussi prier pour lui? Oui, on pourra prier pour lui. Donc ça me la pointe naïe. Et il y a beaucoup de gens qui sont repentis à travers la prière de leurs frères, leurs sœurs. Bah ça me la qu'à chaque fois, bah demande à Kanzambe. Pour que Ndekunaye, Azana comportement mabe, na prière Ndekunaye, Zambe aiko sala qui a créé occasion moko pour que Ndekoua fungula abongola motem. Bible zo ba que c'est lui qui change. Il peut changer celle des membres de la famille. Abisoko ni melier sur ma si akubika yo mokote, pe yora chaîne ya batuna famille na mino bakubika. À cause de ta façon de te comporter, tu peux pousser beaucoup de gens à Christ. Et tes prières aussi, comme tu connais que ce sont des choses spirituelles qui ne peuvent pas se faire comme ça. Tu peux prier aussi pour votre frère, même pour votre sœur, pour qu'elle soit touchée par la main de Dieu. Alléluia. Comment pouvons-nous stocker des bonnes choses? Je viens de le dire tout de suite là, en disant que le fait d'écouter la parole de Dieu, ça fera de toi quelque chose. Ce qui est l'homme qui a son plaisir dans la parole de Dieu. Donc, si vous avez le plaisir de comprendre la parole de Dieu, de lire la Bible, d'être chaque fois à côté des Écritures, de chercher à comprendre, à discerner, et vous allez commencer à agir. Et vous allez commencer aussi à stocker. Il y a des versets bibliques qui vont commencer à rester en vous. Au commandement même, ceux qui ont la Bible, mais vous parlez de Dieu, vous donnez des versets. Alléluia. Maintenant, quand vous commencez à parler de Dieu, vous donnez des versets. C'est là maintenant, c'est-à-dire, mon thème en ayo est comme il sait. Il y a au Vandisi, le trésor qui est la parole de Dieu. Et ce trésor-là, comme tant que vous avez un bâton, tu vois, ma chrétien, je suis un bâton, je suis un bâton, je suis un bâton, c'est-à-dire, au moment que mon thème en ayo est ton dans la matière, c'est pourquoi il est toujours obligé de parler de Dieu et de prêcher Jésus-Christ. Mais ce qui mon thème en ayo est ton dans ma cambo mosusu, au moment que comme la dessus bazar mingi motema ezana souci ya mambo ya football. Donc ndenge zali wana tango azo tambola azo ba déjà que ba équipe na bango pola ki azana souci que ceux qui ba changer joueur tel
ceux qui va chercher, ceux qui gagnent à qui on a été, ceux qui chercher na numéro 10, on ira voir des billes. On dit que bango va s'écrire. Donc moi la bâton sur ma kutani, c'est l'abondance du cœur. Moté ma tonda plein de mambo ya football. Au moins la pesa souci, il parle avec souci et azo même ça va énergie. Bon, vraiment oui, c'est l'arbitre, c'était la faute de l'entraîneur. Il fallait le mettre na défense. Ceux qui battaient qui elle na défense, on pouvait pas voir ça. Tu vois souci na e. Za souci a biloko mokili, biloko izanga tina. Oui, qu'on pèse au foot a été, muto gagner joueur wana. Alléluia, alléluia. Alors c'est quoi, il y a d'autres personnes qui pensent à la politique. Soit comme abondance à mon thème na est la politique. Les gens qui se mettent debout du matin au soir. Non, il fallait comme ça. Oui, non, les soldats, on a signé un document. Oui, non, vraiment, on va changer. Non, le gouvernement va changer. Ils pensent à ces choses toute leur vie. Alléluia, alléluia. Pour lui, quoi que, si on change quelqu'un, si on met quelqu'un, les choses vont changer. Pourtant que le monde appartient à Dieu. Ce qui va changer, on va changer. Et donc, comment on peut changer, il faut que les gens vont changer. Alléluia. C'est pourquoi on a l'abondance du cœur. Que le cœur parle. Qu'est-ce que vous avez stocké dans votre cœur? Il y a des gens qui ont stocké d'autres choses que la parole de Dieu. Ils parlent que de cela. À chaque instant, ils parlent que de cela. Lorsque tu es monté manayo, magamwanzambe, ou vous avez monté à bolingo, monté à malam. Lorsque tu es monté manayo, magamboya, ya ba magamususu, magamwana, ezali, mag le reste de choses et les kins embêtés. Zambe, azana pousa, azo à première place. Abi, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il faut que Dieu puisse avoir la meilleure des places dans ton cœur. Alléluia. Vous avez la parole. Merci, Pasteur Richard, pour nous accorder sa parole. Amen. Niamikanda, 1 Jean chapitre 4, verset 1, et ce que vous avez surtout examiné par l'esprit Nyoso, ce qui est en Zambé. Question en Zambé, pour nous dire par pharisiens et par scribes. Bamba examiner miracle à Jésus-Christ avec ma race de vipère. Voilà un, deux. Et dans un apostat, on explique pas dans un zambé malam pour que l'on a confusion parce que, dans mon passe, n'a eu pasteur moko azo et sa bandiminaye, azo basé dans un miracle, n'a mon yesu, et puis ça qui va dire les prêts. Neuf à qui m'a qui moko azo n'a qui, mais neuf à l'air à yepsa bok kende, kota mita, c'est pas ma prophète nabino. Miracle na ndembo biki na zana posa ke o fumo la bien o pe o le mona mo confusion place on a parce que zana bateau bazo basé na réponse à Jésus Christ na réponse au monani muto abika ki a pesa ki population merci. 1 Jean 4 verset 1 dit bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs fois prophètes sont venus dans le monde et les pharisiens voulaient éprouver. Mais leur façon de faire, ils ont dit que tant que Jésus a éprouvé Jésus-Christ, la réponse à Jésus-Christ est dans ce que Bazo a éprouvé à tort, à mauvais cœur. Parce que Santa qui versait, vexé, c'est-à-dire que Jésus que maté à Jésus, ils ont détruit Yabango. C'est pourquoi Bakoma qui mal à l'aise, et tant que Bazo a été justifié, Babengi Ndoki. Pourtant qu'il a ce moment-là. Jésus-Christ a mis tombo la quitté. Azaki très humble. Il ne s'est pas dit qu'il est au-dessus des yeux de tout le monde. Il marchait avec les gens, mangeait à la même table avec tout le monde. Table mokona batignon sur avant de bazolia. Jésus-Christ était trop simple. Yé azay na poussa zo kit na bangote. Il a seulement sauvé Muntu Azobela. Muntu Azobela a simbi abiki. Parce que obengi ndoki pwana ni. Et il n'avait même pas demandé de l'argent dans Moutouane. Et l'homme était malade. Bango il peut débailler dans Moutouane. Zobel, il a copé, ça y est. Ce qui s'est croisé Moutouane, il a pensé à Yuke Mawa. D'abord, il a eu pitié de cet homme. D'abord, ce sont bien la Bible, c'est Jésus-Christ qui passait, qui est venu vers cet homme. C'est comme par exemple un pasteur à qui est à l'hôpital.
akuti mutu azobela asambele pona mutu abiki obenge azandoki azandoki pourquoi il est parti à l'hôpital alors peut-être qu'il va trouver un stade de pour avertir maboko. Amen, amen. Lui, il a fait quelque chose, il y a simplicité. Lui-même est parti le voir. Il a prié pour lui. Alors, il dit que non, docteur, l'ungula ba malade, ba na stade, il y a le bibongote. Lui-même est parti. C'est un homme d'abord simple. Un homme d'abord, aza mutumoko, aza orgueilleté. Mais obengye que azali baisse des boules. Pourquoi? Satan azali orgueillé. Satan veut faire des choses pour attraper tes maboko. Même Jésus-Christ ne disait pas, il disait aux gens de mutuko ba makamuna saliyote. Mais les gens ne pouvaient pas fermer leur bouche. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi on peut comprendre facilement que leur façon de penser, il y a un jugement, et ça qui est un jugement poussé par le mauvais cœur. C'est pourquoi il y a une race de vipères. Jugement, il y a un jugement, il y a hypocrisie. C'est-à-dire, il y a un zoua, mon thème à de salio pour au juger Ngaboui. Donc, au juger Ngaboui, il y avait un pasteur, Alekatina Batchen. Quand moi j'ai parlé, c'est la dîme. J'expliquais que la dîme, c'est la loi. C'est déjà passé. Dans ce qui concerne les données, on donne volontairement selon la Bible. Il n'y a pas encore de loi sur les données. Les offrandes qui se donnent à l'église, ce sont des offrandes volontaires. C'est clair. Et ce qui est dans la Bible, Balobi, ce qui montre ça, c'est la loi, c'est sous la malédiction. Balobi muntu oyo asai la loi azo pratiquer biloko ya loi azali ko crucifier Christ. Un pasteur a aucun ou passe à l'équipe la télévision lobby c'était passé là qui a parlé de la dîme, c'était un sorcier justement a benga maman ko bezeboul, comprenez, il veut obengi bezeboul avec moté manine, parce que ce que j'ai dit c'est ce qui est vrai. Moi je n'ai pas demandé qu'on vienne me donner qu'on ne vous donne pas vous. Amen, amen. Et moi j'ai dit ce qui est écrit dans la Bible, et vous vous dites non, vous prêchez la loi. Et la loi que vous prêchez, vous sautez moussous. Parce que la loi est dit, mais le binin. Le binin dit moussous, mon dimi pe alia, ou an yo teite. Un papa pasteur. Ou ya mon dimi alia, ou te yangote. Balobi dit, mon balobi, pe sa pe moubola, ou an yo teite. C'est la loi de Dieu. Balobi, mou payape, ou pe se dim, ou an a passe la teite. Yo te ka dim ya yomoko. Ou te ki dim ya babola, ou te mi dim ya ba ofela, ou te mi dim ya batubaliape. Alors, à ce moment-là, si tu veux dire non, c'est pourquoi tu commis à un moment que. Batika makambo ya badim, batika makambo ya ba loi, yo zo boya. En même temps, regardez la loi moko ya dim na yo moko. À ce moment-là, vous montrez que ozali hypocrite. Ozali vipère. Et moi, je le dis avec raison parce que je parle aussi les écritures. Et na rotika te muntu mabe azo prêcher mensonge et je dois avoir peur de lui. Non. La vérité est la vérité, faut te rendre ngezali. Mais je suis qualifié d'un sorcier. Parce que j'ai dit cela. C'est ce qu'on avait dit à Jésus-Christ. Babengiye, Bezeboul. Mais Jésus-Christ avait frayé quelque chose de bien. Il n'avait même pas demandé l'argent à ces messieurs-là. La deuxième question, à l'épreuve. Abina Bango, Bokende n'est pas un sacrificateur. Boyebini Mambassar, Bokende n'est pas un sacrificateur. Bakosa et Labino. Bango, Balinga qui pas boudé. Ah, tout ce que tu es pas naïe, il y a un truc qui n'est pas un sacrificateur. Bokende Kuna, Boyebini Mambassar la gâte. Bokende n'est pas un sacrificateur. Bato, Balinga Maraja Maba, Baye pas naïe. Est-ce que vous avez dit 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 que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Quelqu'un qui était un aveugle de naissance. Le pasteur qui vient de dire cela n'a jamais ouvert les yeux d'un aveugle. Banda botama. Soka sala kango, tu n'as toi adresse à aveugle wan. Batika lokota. Faut pas que kokosa mamuna nzambe to ke na mamuna nzambe ndenge zali. Mensonge za mabe makasi. Amen, amen. Parce que j'ai vu plusieurs aveugles na télévision. Bazara adresse à nanda côté. Ce sont des aveugles fondés, fabriqués. Nanu bosala ngote. Là c'est Dieu qui peut le faire. Satan fonga la mutumi sauter. Satan bu makaba tumisu. Amen, amen. Je connais une personne. Nazoeba, notre bien-aimé frère, notre frère Jéva Yebiango. Azakine de Kunaye. Azobe la promesse, Azobe la promesse sur Yamisu. Akende qui na Inde. Pour passer l'opération à Misu. Balamoko a eu information que Kotoyo, il y a un pasteur qui fait des choses. Batobazo Mona. Bazongi se na Inde. Aye Awa. Ake na campagne Wana. Na kata campagne Amoni. A témoigné. Namouni, Azongi nanda kwa kufi.
ne quoi zali awas. Azu nando kwa pei 3 jours à kufi. On s'est dit mais ah, ok on a un miracle. Ya bango ezali tango zo mona na munaka wana ya suka zo mona wana. Alléluia. Makambo nzamba salaka yo Yesu asali eza makambo vrai. Muntu oyo azaki aveugle. Banda botama abona kate. Afuti mbongo te, basenge mbongo te. Alléluia, alléluia. Babenge la campagne te, à quelle campagne te? Cet homme là était là où il était. Et Jésus est venu lui-même vers lui. Et akouti wana ba croiser ye ba fungule misu. Atayo moko. Bana nzamba alléluia. Akobenge méchant. Moi cet homme là na luki ete, na foutu mbongo te. Il est venu na volonté na yemoko. A fungule na misu. Nino bobenge za ndoki. Est-ce que ndoki a sala malam? Azunga ba tuba tuba bola ba fungula misu. Le ko langana banda ko mona te. Yo le biaza mabe wane telinga te. C'est que moi je sais Nazaki aveugle, mais ce qu'on a ça ni nazo monde. Alléluia. C'est quelqu'un par exemple, ngai nazali quelque part, na moment moko difficile, nazo traverser, quelqu'un qui vient me tirer dedans. Akutinga na ça le boulou, asinga le boko na bimi. So ba bisanga moni muto abisanga le boulou za méchant. Est-ce que méchant na italinga? Lui il a fait du bien. Pour moi, il a fait du bien. Il faut que moi-même je le constate. Les messieurs voulaient dire que laissez-moi même constater cela. D'après moi, ce que j'ai vu, il est bon. Alléluia, alléluia. Amen. Ezaki accusation yaba vipère. Ah, c'est vipère. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, Bible zo banabi sona mukanda Matthieu 24, na verset 24. Balobi, ba faux prophète, ba kosa ba miracle, ba kosa ba prodige. Alléluia, alléluia. Mais ceux qui basali ba prodige wana, ne les croyez pas. Parce qu'il y aura un moment où Antichrist akoya akosa un miracle en son nom. Balanzamba alléluia. Si je vois aujourd'hui na kenaka église na kuti pasteur Kamu asa un miracle au nom de Kamu, est-ce que ça me regarde ata batu bakufi basekwe na kote le maté parce que il est fait au nom ya mutu mususu. Amen amen. C'est compte pour moi de ce qui s'est fait au nom de qui? De Jésus. Alléluia. C'est pourquoi les hommes de Dieu là on ne peut pas vérifier ça. Alléluia. Mon droit témoigner. Bande de alléluia. Na qui mon nazali monter ma passe. Ce qu'on a moyen esili. Nani amonaki. Ça personne n'a vu. Miracle ezali. Mon toi bota mabongo otamusi. Tonji mio. Mais wana nana salité. Voilà ça, quand il y a un film, na katia band. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Amen. Ma question est ça. Est-ce que tu peux nous donner la différence de l'esprit, âme et cœur? Deuxième question, est-ce vrai? En faisant des erreurs, on acquiert la sagesse. Merci. Et d'abord, je commence avec la deuxième question. Est-ce que c'est vrai? En faisant des erreurs, on a que la sagesse. Non. Mais je dis ceci, les échecs, c'est autre chose que les erreurs. Les échecs, c'est-à-dire quand tu voulais faire quelque chose, tu fais quelque chose pour ou avancer ou échouer. Ou échouer, ou constater qu'il y avait des erreurs que tu avais commises. Il y a monde ça qui ose ça l'échec. Donc, ils allaient aux échecs parce qu'il y avait une ignorance quelque part pendant que mon son l'opacal. Mais tant que ça a erreur, il faut corriger. Pour corriger ma erreur, il faut s'examiner, puis on sera capable de discerner ses erreurs. Parce que les erreurs, ça vous amène à la mort. Tant que vous commettez ma erreur dans la vie, c'est-à-dire la vie a péché, ou ça erreur même dans la vie, ou se comporter mal. Je donne un exemple. Je vis chez mon pote, celui qui m'aide à faire beaucoup d'autres choses, peut-être les études. Naké ko sa l'erreur ya coton gaé. Na misi secret naé caché. Ba ko ko se gaé na nzela. Voilà ce que j'ai fait. Na otanga le soso. La porte kraka kok. Soki ngana za mutuwe na mama kotanga et soki wana. La bouche est commettre erreur, c'est ce que nous avons dit. Ke ba na ba erreur ya bouche na yo pour ko condamner yo. Les erreurs ce sont des défauts. Des défauts, il faut les connaître.
il faut les comprendre. Ça s'appelle les points faibles. Les points faibles, cela veut dire que là où toi, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Il y a des choses que toi-même, tu n'es pas capable d'abandonner. Ce sont des défauts. Au moment où ils ont se multiplié, ils ont collé. Sur les autres, on a beaucoup moins. Ils ont beaucoup moins, ils ont beaucoup moins à dire. Et quand on a qui m'occole, tant qu'on commet vieux, il faut qu'on misio. Alléluia, alléluia. Hein? Barrer tant qu'on a encore combattre encore tant qu'on a non. Sur tiki encore ils ont maté, ils ont maté, ils ont maté. Au commun, au commet vieux. Remanez le ouh. Et si misio touche, wow. Wow David. Azaki na bizaili mingi ya amunika mwasi boye kulandaka alandaka skoti mwasi abatu na kimukolo afukami na kiroa afukami nzambe apanza royaume naye mwana ye aya violé mbasi naye yoka bango basaila ye bana ye basé violé babumani donc c'était grave ayeko zona ennemi munene son propre fils. Ba beteni masasi na mwana ye. Donc écoutez oya zwaka pona kaka mwana mwasi wana. Kaka pona kulula la femme d'autrui. Quelle décision donc David na muna pasite na vie kaka pona erreur wana muke. Pe mwana mwasi wana abotri le royaume. Salomon za mwana mwasi wana. Pourtant il avait sa première femme qui pouvait avec ses enfants pouvait prendre le royaume. Bon on se va échouer. Bazu royaume ba pesi na mwana mwasi wana. Et so tanga na Bible. David ne voulait même pas donner le royaume à Salomon. Bah, il n'y a qu'on rappelait pas prophète. Olobaki. Aujourd'hui, on a dit Olobaki que moi, je n'ai pas le pouvoir. Na minute, je n'ai pas le pouvoir. Loba, parce que moi, j'ai le pouvoir. Je n'avais pas le choix. Ma erreur, Ezama B. Sarah, avant de ne pas battre, a commettre l'erreur. Abraham a battu. Tout n'y a pas le cambote. Ce qui m'a mis sur mon grimace, c'est que Sarah, dès Sarah Zala qui m'a mis, elle va se faire fort. Alléluia, alléluia. Lui-même qui te demande d'aller avec la servante. Et ce qui était arrivé, et Sarah Bango Boy Nazolo. Tilelo, Bazama à l'aise, hein. T'as la maman Sarah, le Krebana. Maman Sarah, le Krebana, pas problème. Quelqu'un bota. A qui continue de mobile que nous botons la montu mususu, baboti moi na wana moi na aye adversaire mounene ya moi na oyaye. Tilelo guerre réseau c'était na Palestine. Erreur ya nani ya Sarah. Il y a des erreurs que ça na vie comme regretter toute ta vie. Point na sakamu. Point na sakamu. Amen amen. Donc il faut se connaître, il faut s'examiner. Quoi baba point faible na yo, quoi baba point fort na yo, quoi baba erreur ya combattre. Ah, je ne sais pas si je suis en train de faire. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Même si je suis en train de faire. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Je ne sais pas si je on va te fermer des portes. Amen, amen. Mensonge, mensonge. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Moi aussi, je suis en train de faire. Oui, mon bas soit aussi. Attends, le bien, c'est ça qui est. Ça a moins courage. Mais, bah, maman, la femme menteuse, mon bas a disqualifié mon bas. Donc, moi, si, soit le mieux, je suis mis soit je suis mis sur le kouta. C'est très dangereux pour moi. Moi, si, je suis mis sur le fort, la vérité. Que mon bas a le bien, moi, c'est la vérité. Mais yo, serpent. Alors ça peut te compliquer toute la vie. Comme ça, on va Kingan, madame, je connais madame. Attends ça, bon, on est rerwana, ça peut te créer des problèmes. Donc, Miyeba, tu dois t'examiner, savoir les erreurs, les combattre. Les échecs, d'accord, pas les erreurs. Première question, c'était entre l'esprit, âme et le corps. Où ils ont permettre Bissot. Pour tout le monde, il y a des tentes, des maisons, c'est ce qui nous permet, c'est là où l'esprit vient habiter. L'esprit est couvert dans la tente, il y a des tentes, il y a des protégés. Alors, quand on parle de l'âme, l'âme, c'est
circulation, ce qui c'est quand même la respiration. C'est-à-dire âme, c'est ce qui fait que mutu azala na mouvement. La respiration, l'eau, le sang qui circule, la respiration qui fait que esprit sikoyo evanda. Donc ce mutu esprit kei à côté na comment azo respirer, mais il n'a pas l'esprit. Quand il n'a pas l'esprit, il ne comprend plus rien. À mon élo côté. Mais vous devez savoir une chose, l'homme est esprit. L'homme est esprit pourquoi? L'homme c'est la pensée. Tu peux être ici, tu peux penser à quelque chose qui est très loin et vous trouver solution pendant que tu es ici. Le bosseur est difficile. Maintenant, avec les téléphones, nous avons la facilité de penser, appeler, trouver la solution directement avec les autres comités. Tu vois que toi qui es ici, tu peux trouver une solution au Canada pour les solutions résoudre les cas. Il faut y aller là-bas. Et toi, tu parles ici. À partir de là, l'homme est devenu capable de diriger le monde. Ici, qu'a Vandi a dirigé tous les quatre coins du monde. Donc, c'est-à-dire, là, c'est, il le fait avec son esprit. Vous n'avez pas voyagé, ok, France T, mais il y a un problème. Il faut passer le monde en France. Il y a au lobby, on a téléphone ou accordé, va trouver solution. Bah la manière, il y a lobby, il y a lingi. On veut comprendre une chose que l'esprit, c'est ce que Ozamba Chaki, Zambé Azwa qui m'a bêlé pour former l'homme, à fabriquer, à salir zolo, on sortit ici. Après, bah Bizamba souffler. Tant qu'on a soufflé. C'est ça, mon tabouin qu'on respirait. C'est ça l'esprit. L'esprit là, c'est, ça provient de Dieu. C'est pourquoi l'homme, dans l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Pourquoi ça a la pensée de l'éternité? Parce que l'homme est éternel. Et si on a une Bible, on a dit Abraham Azalak, d'après Jésus. Alors, le pauvre Lazare était parti au sein d'Abraham. Et tu comprenais que tous les gens ici, ils ont dit en Abraham. C'est-à-dire, on voit que. Oh, est-ce qu'on va le voir comme avec ses corps? Non. Avec leur esprit. Et l'âme aussi. Ce sont des choses qui vont rester. Ce qui compte, c'est l'esprit de l'homme. Trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Le cœur se trouve dans l'âme. Là se trouve l'affection. Là se trouve l'émotion. Et ça, quand il y a cœur, le cœur de l'homme, c'est toujours dans l'âme. Amen, amen. Des questions à poser, s'il vous plaît. Naza posa o ebisabiso conséquence nini oyo muto akokoza nango lokwa chrétien lokuta aya ke église ernyonso mais abongola ne penza mutema te conséquence nini boye physiquement nga natuna ndenga nzoto conséquence nini yakoza nango. Deuxième question za ke to sa ki débat jeudi question moko za ki poser kati na biso na réunion ba mama que à partir de la pasteur a qui y a le bac que ceux qui mutu azana mbongo akokolia nanu na famille na ye que a kende ko pesa nanu l'église ceux qui kazana ngote a muke wana zana ngo ablia nanu ce que mama tuna ki question ko le bac to mona ki nzamba tinda ki eli est pas moins soit ça qui veuve azwa muke a pesa to mona ki pe moins soit ça qui coupe tant offrande Jésus a tellement ki na nini. Moi, je suis un peu qui bon au collègue Ebélé. Par là, est-ce que la Bible est qu'on se contredire, tout commander, débattre ça qui n'angoisse pas, n'importe quoi pour ça passer à éclaircir, bismillah. Conséquence pendant un chrétien ou un mensonge. Libosso, si vous êtes chrétien et vous marchez avec le mensonge, les gens ne vont pas commencer à te croire, ils ne vont pas encore te faire confiance. On va comprendre que tu ne connais pas Dieu, tu es menteur, tu seras qualifié comme un hypocrite. On va te personnaliser. Que azara hypocrite à cause sac. Na lobi ezama be makas batubaye ba kozara hypocrite. Ya ona sengi ba mama soko ko saka na ndako changer. Ye sa mbana na ko sa sauté. Na banda ko so makas ko na ko sa sauté parce que j'ai compris que ça ko bébé sa personnalité na ngai. Et on va voir quand même la semaine prochaine comment o ko le kana maramozo lo baso ko sa sauté. Et to comprendre que conséquence est très dangereux parce que au cours de l'accepter, t'es paix, même par Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit mensonge, il a Satan. Satan, tant qu'il a dit mensonge, il a dit mensonge. Ça prouve que il a inspiré na Satan, mais il a embêté. Deuxième question. Le pasteur avait dit, la fois passée à l'obi, quand il y a quelque chose, il faut d'abord donner
prend d'abord soin. Babi, celui qui ne prend pas soin des siens est plus qu'un païen. Moutouazouaka soin te yaba oyaye à l'équipe païen. J'avais demandé aux parents que si tu veux aider quelqu'un d'autre, commencez d'abord par soutenir vos propres enfants. On ne peut pas commencer par laisser ses enfants enfamés et prendre l'argent pour aller faire nourrir les enfants d'autrui. C'est ce que j'avais dit. Alléluia, alléluia. Mes enfants, ils n'ont que moi comme leur père. Alors si moi je ne paye pas leur minerval, je pars payer le minerval des autres personnes. Alors mes enfants qui vont leur payer. Banangai basi basu grâce de m'avoir un papa qui est capable de payer leur minerval. Amen, amen. Et moi je ne paye pas pour eux, je pars d'abord payer pour d'autres personnes. D'abord ça prouve que je ne m'aime pas, je n'aime pas d'abord ma propre famille et bolingo ya libanda za mensonge, za lokuta. Et tu veux avancer. La Bible dit une chose. Aimer Dieu plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que toi-même. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Ça, c'est autre chose. Maintenant, au moment où Nazan a problème, que Dieu lui-même m'a recommandé de faire quelque chose, wana, Nazotala, il y a l'avantage entre mon enfant et Dieu. Là, le choix est clair. Il faut choisir qui? Dieu. Abraham était un homme bien. Il faisait du bien. Mais un jour, Dieu l'avait demandé de tuer son propre fils. Comme c'était la volonté de Dieu, Abraham avait exécuté. Il était prêt à égorger son propre fils pour faire gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Ne confondez pas quand on dit faire du bien, il y a l'amour d'abord de Dieu, il y a l'amour du quoi? Du prochain. Bolingoni nizamba biza makasi. Hein? L'amour de Dieu, c'est plus que votre propre amour. Donc, tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Yo même, attends, bina kufa lobi, so nizamba bina Richard, tu vas prêcher demain, mais tu vas mourir là-bas. Au monde ngini, tu vas aller mourir ou bien? Oui, papa. Ce que c'est peli qui n'a pas de point à l'oukoumounayo, n'a pas de point. Eh, soloba qui, toutefois, que ta volonté soit faite. Alléluia. Mais il y a la vie privée, notre vie de chaque jour. Je me réveille le matin. Deba y'a bandaki wapi. N'a pas de nanzela, n'a pas de moutou. Asengingaye. Je peux donner comme ne pas donner. Je suis libre. Balobi donner volontairement. Batindi ki yote. Bible zo baté. Bible bi ko pesa muninga mu kongote so a sengio. Mais je peux donner comme ne pas donner. Amen, amen. Je peux donner à une autre personne. À une autre, je ne donne pas. Et je ne dois pas commencer à donner à tout le monde. Pour ce que je pèse à tout le monde. Yo ça na combien pour pesa bon so mukil. Oko ki ça? Chose impossible. C'est impossible. Tu ne sauras pas le faire. Il y a quand même d'autres personnes qui peuvent te côtoyer au PC. Et ce que je fais ça, on peut c'est la capitale. On peut la capitale na hôte. Alors, vous avez le cambo et le kaki. Nzambe a dit prophète, que n'est pas moi si wana. Yebisaye. Que il faut appeler ça yo. C'est moi Dieu na lobi na recommandation. Ozwa azwa biloko. Ye andi makou fome apesa yo. Et le prophète est venu chez la dame, abina moi si, va préparer, je vais manger. Moi ça yebi sa lobi, na tikale kaka na eloko moko pon lambi lelo après na koufi. Abi oui, va préparer cela, donne d'abord à moi que je mange. Ce qui n'a lié, le reste, toi ça regarde Dieu. Et ça qui promet à foi. Et Dieu lui-même a recommandé. Bananzamba alléluia. Et Dieu lui-même a recommandé. Le problème, c'est quoi? Bande Kouba maman. Dans le jardin d'Eden, Satan tangouya yaki, atunika moutouna. Zambe, apekisibino, boulia, babilo, konyon, soza la terre, ou bien il y a un problème. Yoka maman, balobi, ouana, tosimbate. Donc, tout à la tamisoute. O komisi lissou mon. Eye poa. Même Dieu a sa témoin de nos cœurs. Qui peut avoir l'argent et faire pour d'autres personnes
abandonné ses propres enfants que Dieu lui-même l'a donné. Amen, amen. Dieu te donne des enfants. Et toi, tu abandonnes tes propres enfants. Tu vas commencer à faire pour les enfants d'autrui. Tu es recommandé par qui? Par Dieu. On ne dirait pas que tu es fou. Alléluia, alléluia. On doit venir te voir chez toi. On voit tes enfants sales. Balayé banda tongo. Mais papa na bango, a ou dit qu'on peut s'ambon ou pas ba orphelin. Est-ce que ça cadre? La Bible dit une chose. Aimer ton prochain comme qui? Même les sorciers, ils aiment leur papa et leur maman et leurs enfants. C'est quoi au balobi? Celui qui ne prend pas soin des siens, il aime plus que les sorciers. Alléluia, alléluia. Sorcier à Botimwana, à l'essayé, à Mélissier, à Tengse classe. Azo Botramanaye, azo protéger Ngungé Soyete. Mais yomuto sambelak. Au bois qui moana, au bout qui moana, au laissiété, au zimbongo, au kéré, ça va voisin. Est-ce que c'est normal? Non. N'oubliez pas que ne vous mettez pas dans quelque chose que ceux qui m'ont 5 bino yango, ils ont raté que ça l'a monté. Alléluia, alléluia. Donc, Babi, les charges en Zambéza légers. Vous comprenez? Et ça va bien, Abi, mon jour est comment? Léger. Comment ça, mais ça pété. Abi, mon fils, tu donnes aux gens la liberté, tu peux donner à tout le monde. Mais quand tu veux, qu'on peut s'en accandater, ce qu'on se peut l'opé. Tout ça libre, alléluia, alléluia. On a, gardons cette liberté. Mais ceux qui n'ont pas l'air dans l'autre, nous avons à la mousse dans le pongue, à l'obi, qui gagne, il y a un problème. Bon, on a eu foutre Minerval là-bas, on a eu, on a eu, qu'on foutre sous Minerval, tu vas donner tout argent. Il y a une recommandation. Alléluia, alléluia. Là, le matin, je me lève, je prends tout, je pars donner. Ça, c'est une recommandation. Il y a des choses qu'on fait volontairement, poussées par notre amour du cœur, dans la parole de Dieu. Il y a d'autres, dans l'alipongisa malobi, tu dois faire ça. Par exemple, le choix est clair. Je voulais payer les minervas de mon enfant. Un des quelqu'un que je connais, dans un hôpital. Moi, j'avais $100 dans mes poches. Na yo kike, bazuka ki simo ko pa pesa ye. Ceux qui va penser qu'ils sont en train kufa. Qui sont en train coûter combien? $100. Ba na zamba, alléluia. Amen. Tsuko ngai na zawana. Et $100, mine vole la moi na ngai. Ba lobi ke muntoyo azo kufa lelo. Pona combien? $100. Na zo nga $100, moi na nga soko chomer lelo. Lobi to ko récupérer ané. Mais oye, c'est kufi et sili. Ah Dieu, je vois que les cas ils ont ma casse. Yo ko kansa autrement pour mon enfant. D'abord qu'on sauve la personne. Voilà les choses que je dois faire. On doit sauver d'abord la personne. Au tiki que au komola au salango bo tant ngoso na ndako. Wa za défi. Au komola na na komi na ndako te aux 1 million. Alléluia, alléluia. Maboko makasi pour le komola ko les merci. Salanga na kukakateo Mabe na kubuya Yango na kusala Na bomo inanga Yawe limbisanga Limbisa Yawe limbisanga